Et puis du sport à présent pour terminer cette édition avec tout d'abord ces images de l'inauguration du nouveau dojo à Roncq hier, en présence notamment de Chantal Jouanneau, sénatrice de Paris, ex-ministre des Sports et ancienne championne de karaté. Et ce dojo s'est installé en fait dans une vieille usine après 4 mois de travaux de réhabilitation. Il est déjà utilisé depuis quelques semaines d'ailleurs par 4 associations sportives de la ville en judo, aïkido, gym et karaté. Et se veut un espace de rencontre et de contact entre les différentes disciplines et leurs pratiquants pour toujours mieux intégrer le sport dans la vie de tous les jours. Pour l'occasion, hier, des démonstrations de judo et d'aïkido étaient organisées par les clubs. Et Adélaïde Bollard était sur place pour ramener ces images et interroger Chantal Jouanneau, l'ex-ministre des Sports sur Grand Littoral. Ce qui est vraiment important, c'est que tous les lieux de sport soient accessibles à tous. Voilà, ce n'est pas le développement d'immenses salles de sport ultra modernes dont on a besoin aujourd'hui. C'est la salle de sport de proximité accessible à toutes les familles. Tout au long de la vie, le sport, tout au long de la vie. Parce que c'est important pour la vie sociale, c'est important pour l'apprentissage de l'effort, comme j'expliquais tout à l'heure, mais c'est important aussi sur un plan de santé publique. Aujourd'hui, on a besoin que les personnes fassent du sport, c'est vraiment essentiel, il faut le rappeler.